Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Sorbonne. Si vous n'êtes pas abonné, en dessous de cette vidéo, tous abonnés. Allez-y, abonnez-vous, activez la cloche, ne manquez plus la sortie de nos prochaines vidéos. Ce que nous verrons dans cette vidéo est incroyable. C'est une chose hors du commun. Si ça n'avait pas été filmé, vous ne l'aurez pas cru. Ah! Ici, un homme, après avoir traversé des moments difficiles, va arriver à l'église pour juste livrer quelque chose au pasteur. Et ce jour-là, quelque chose d'inattendu va se produire. Les gens vont se cotiser et lui donner de l'argent. Juste comme ça, ce geste-là a marqué la vie de cette personne. Elle est là, elle a envie de tout nous expliquer. Suivons-nous, allons au studio. Si vous n'avez pas encore partagé cette vidéo, c'est le moment. Allez-y, partagez la vidéo. Partagez la vidéo, abonnez-vous, activez la cloche. Il faut que cette vidéo aille loin pour que beaucoup de personnes puissent quand même essayer de faire un peu comme ces bonnes personnes. Difficile à faire qu'à dire. Ce qui est sûr, c'est que quand vous avez le cœur, quand Dieu vous met à cœur de donner, faites-le, on ne sait jamais. Vous ne savez pas ce que vous pouvez provoquer chez quelqu'un. Regardez ça. Elle a des larmes aux yeux. Elle a des larmes aux yeux. Elle est STF. Et voici qu'elle va être visitée par une personne qui va lui donner 500 euros. Et lui, il a reçu beaucoup de pieds en offrande, bon, comme cadeau, comme pourboire. Et c'est ce qu'il expose ici avec son témoignage à l'appui. Il nous a expliqué que les choses ont été vraiment difficiles pour lui. Très dur, très difficile. Vous ne pouvez pas vous imaginer ce que les gens au bout du monde vivent. Hein. Vous ne pouvez pas vous imaginer. Chacun a son témoignage, chacun a son histoire à raconter. Et nous sommes prêts à écouter l'histoire de ces jeunes. Écoutons-le. Il dit donc, je ressens juste le besoin de partager avec tout le monde. Alors, je travaille pour une pizza. I work for a pizza place, obviously, pretty much. Avec tout le monde, alors je travaille pour une pizza place, évidemment, à peu près tous vous. All of you know this. Voilà, place évidemment à peu près, bon, savons, à peu près tous nous savons cela. Et nous n'avons pas avant 12 ans. And, we don't open until 12 o'clock today, but avant 12 heures aujourd'hui. Mais on m'a demandé de venir. I was asked to come in a little bit early for a delivery. De venir un peu tôt pour une livraison. So, comme je suis venu et juste comme je suis entré. I came in. Right as I got in, ils nous ont chargé ma voiture. Ils nous ont chargé ma voiture avec la nourriture. Donc, lui, il allait juste livrer du pizza dans une église. Et c'est le processus qu'il nous raconte. Loaded up my car with the food and I took it. Et je l'ai pris et puis quand je suis arrivé à and then, when I got to this delivery, à cette livraison et à cette église et to this church. And, ils sont venus à ma voiture et ils sont comme they came out to my car and they're like ils sont voilà, venus à ma voiture, ils sont comme prendre une pizza sur les 7 ou 8. Take one pizza out of the 7 or 8 pizzas that they prendre une pizza sur les 7 ou 8 pizzas qu'ils ont commandé et ils sont ordered and they're like bring it up to the pat et ils sont comme l'amener au pasteur, c'est-à-dire donc les gens ils ont commencé à l'amener au pasteur. Les gens sont venus chercher les pizzas et ils l'ont amené au pasteur on stage.
Voilà, le passé était carrément si sain et j'étais comme tout, And I was like all like weirded out. comme bizarre, comme pourquoi, comme ça ainsi, Oh, pour like l'attention est bizarre. why? Like this is so weird. Bizarre et vous connaissez le plus étonnant. And you know, the most amazing. Chose est arrivée. Bizarre et vous connaissez le plus étonnant chose est arrivée. Thing La plus happened. étonnante chose est You arrivée. know. Non, toute cette église est venue. This whole church came Non, toute cette église est up. venue. Et m'a donné plus de 700 dollars pour un pourboire. Regardez, déjà lui il avait livré une pizza et le pasteur était sur scène. Et lui, à un moment donné, on a demandé d'entrer et toute l'église s'est cotisée pour lui donner un pourboire de 700 dollars. Et regardez comment ça le marque. Il est tellement touché par cette affaire qu'il est juste là comme ça, comme si franchement. C'est dur, c'est extraordinaire. Mais qu'a-t-il pu traverser sa vie pour le mettre dans cet état? Parce que ce geste est sans doute, ça l'a sans doute touché profondément. Écoutons-le. Gave me over $700 Voici l'argent. for a tip. It's just truly amazing. Vraiment incroyable. Vous savez que You know, I've never. je suis à avoir un moment si difficile ces derniers temps. Il a nous dit qu'il a eu des moments très difficiles ces derniers temps. Such a hard time lately. Just struggling Lutter pour rester propre et tout. to stay clean and everything. And I'm Et essayer juste de retrouver ma vie. just trying to get my life back. Et ça m'étonne vraiment, vraiment, vraiment. And it just really, truly just amazes me. Que les gens qui ne me connaissent même pas That people that don't even know me just wanted to help me out. quand il m'a aidé que beaucoup béni. Oh, that much. Blessed. Donc, voilà, là ça reprend. Vous avez vu ça? Cet homme est en train de nous dire que franchement, ce qui vient de l'arriver, c'est une chose qu'il n'espérait pas, franchement, il n'espérait vraiment pas. Il a traversé des moments difficiles. Et voici qu'il essaie de se remettre sur pied. On lui demande d'aller livrer des pizzas dans une église. Et des gens qui ne le connaissent même pas se cotisent et lui donnent 700 dollars. Vous voyez comme ça l'a profondément marqué. Les gens traversent des situations difficiles. Nous tous, nous traversons des situations difficiles. Le geste qui sauve, ça peut être le don. Tu peux faire des dons à un inconnu. Tu n'as pas besoin de connaître la personne. T'as pas besoin de juger la personne, qui que ce soit. Si Dieu te met à cœur de donner, fais-le. Tu ne sais pas ce que la personne traverse pour la raison pour laquelle Dieu te demande de donner. Regardons encore cette situation-là. Ici, c'est une SDF. Ici, c'est une SDF qui parle. Elle dit, elle aimerait qu'on l'aide à trouver un appartement. Un propriétaire qui veut bien m'accepter. Ça touche plus le moral que le physique. Là, elle parle de sa condition de SDF, comment elle vit la chose et tout ça. Elle dit parce que ça touche le moral, puisque ça touche le moral plus que le physique, parce que une fois, il est là. Il est là. Et alors, vous voyez, et cet homme, elle rencontre quelqu'un
qui vient nous montrer quelque chose d'extraordinaire. Nous lit de bons messages que lui ont donné des gens au bout du monde. Et en plus, cet homme a décidé de lui tendre $500. Regardez même le visage à cette femme. Vous verrez. Regardez. Elle dit, c'est quoi ça? Elle lui dit, il y a 500 €, c'est pour toi. Elle pleure. Elle est vraiment... Elle pleure. Tu vas t'en sortir, Linda, ça va? Et il lui parle, lui dit, tu vas t'en sortir. Tu vas t'en sortir. Souvent, ces gens n'ont pas besoin forcément d'argent, mais ils ont besoin de parler à quelqu'un, échanger avec nous. Nous devons les considérer comme nos semblables et faire tout ce qu'il est possible pour les aider et que Dieu nous-mêmes nous aide aussi dans cette dimension. Elle pleure. Elle dit, c'est pas possible qu'il y ait encore des gens comme ça. Elle a du mal à croire qu'il y ait des gens comme ça qui sont capables de faire des dons aux personnes en difficulté, juste comme ça. Elle dit, je vais y arriver. Là, elle retrouve maintenant de la force. Elle retrouve de la force maintenant. Elle dit, je vais y arriver. Elle regagne confiance en elle maintenant. Voilà. C'est vraiment très émotionnel. Elle est bénie. Elle est vraiment touchée. Et elle vous remercie. Mes frères et sœurs, c'était une courte vidéo que nous aimerons partager avec vous. Il y a même d'autres choses encore. Nous verrons si vous pouvez vous montrer quelque chose. Mais vous devez comprendre quelque chose d'extraordinaire, mes frères et sœurs. C'est que franchement, la vie ne peut pas toujours être rose. Les gens peuvent traverser des moments, des bons moments comme des moments difficiles. Tout peut arriver d'un moment à l'autre, on ne sait jamais. Et quand nous sommes dans ce genre de situation, parfois, on perd espoir, on se dit qu'on ne faut plus rien, jusqu'à se retrouver même à être SDF. Tout ça, c'est dur. Et ces genre de personnes ont besoin de conseils. Ils ont besoin d'être soutenus. Regardez encore. C'est Benoît. Il y a une autre personne qui est dans la même situation. Ouais, les journées sont la solitude. Non, et pas de la solitude. Et voici qu'il reçoit de l'argent, un don. Il est tellement dépassé qu'il pleure lui aussi. Il pleure. Ils ont besoin d'amour, d'affection, de tout ça. C'est la chose, c'est sur les choses dont ils ont besoin. Franchement, le geste qui sauve, c'est le geste qui sauve, le geste qui sauve, qui aide les gens à se remettre sur pied, etc. Il y a tellement de choses à faire. Vous devez partager cette vidéo. Abonnez-vous et apprenez des vraies choses qui vont vraiment nous aider. Il reçoit aussi 500 €. Il est dépassé. Vous voyez. J'ai un don qui sauve. Il est même figé, il ne peut plus réagir. Il est juste bloqué là. Et regardez, il ne peut même pas bouger. Il est juste là, il ne peut pas bouger. Il ne peut pas bouger, ni croit pas, il pleure. Il coule les larmes. C'est vraiment énorme. Il a du mal à y croire. C'est quelque chose d'extraordinaire. C'est quelque chose d'extraordinaire. Mes frères et sœurs, si vous pouvez, si vous avez les moyens d'aider les gens à s'en sortir, faites-le. Même si vous voulez le faire dans l'anonymat, c'est même conseillé. Mes frères et sœurs, qu'en pensez-vous? À vous montrer cette vidéo, nous aidons toutes ces personnes en difficulté aussi. Je souhaite que cette vidéo puisse toucher des personnes qui vont se lever et décider d'aller les soutenir. Nous aussi, nous faisons tout ce qui est à notre possible. J'aimerais même faire une vidéo de ce type. Mais vous savez, pour le moment, je ne veux pas trop m'afficher. Sinon, de faire un geste, même plusieurs gestes dans le secret,
si Dieu veut que je nous fasse une vidéo par rapport à ça pour vous montrer un peu comment ça s'est passé sur le terrain, peut-être on le fera. Sinon, pour le moment, je préfère faire le don dans le secret. Si vous voulez nous soutenir, en dessous celle de ce tour, toutes les informations qu'il vous faut pour faire le don. Mais ne cherchez pas trop loin. Autour de vous se trouvent également des gens qui sont en difficulté. Si vous pouvez leur donner ne serait-ce que 1 euro par an, au moins vous aurez aidé quelqu'un. Non, je ne dis pas 1 euro par jour, ni 1 euro par mois, juste par an. Si nous sommes 10 milliards et que chacun de nous donne 1 euro par an, ça pourra au moins aider la société à se sentir mieux et aider ces gens, ces personnes en difficulté à regagner de la force pour pouvoir se dire je vais y arriver, on peut y arriver. Merci à la fois de regarder cette vidéo, vous pouvez la partager et nous dire clairement ce que vous en pensez. Que Dieu vous bénisse tous et prenez soin de vous et préparez-vous en même temps pour la prochaine vidéo qui arrive. Que Dieu bénisse vos frères et sœurs. Prenez soin de vous.